C'était à la deuxième journée de la troisième édition du New York Forum Africa que le patron gabonais des mines a animé une conférence de presse devant les médias nationaux et internationaux. Pour lui, il faut faire bouger les lignes dans le secteur des mines. Le Gabon veut que le secteur minier soit un atout majeur dans le cadre de cette diversion de l'économie gabonaise. Donc c'est cela. Donc la SEM, c'est un partenaire pour les entreprises minières, celles qui sont intéressées pour bâtir donc des jeunes ventures. La SEM est ouverte. Mais bien sûr, celles aussi qui ne sont pas intéressées, sachez seulement que 10% de votre capital doit être bien sûr attribué à l'État. Et le porteur de ce capital, c'est la SEM. Plusieurs projets sont en vue. Objectif, mettre en production le secteur et surtout celui pourvoyeuse d'emplois pour la jeunesse gabonaise. Le Gabon a décidé de ne pas être observateur, mais d'être actif. C'est pour cela que nous avons créé l'Association équatorienne des mines, qui est désormais le bras séculier, je puis dire. Donc l'opérateur national du Gabon dans le secteur minier. La SEM, c'est une entreprise qui appartient à l'État, mais qui fonctionne comme le privé, qui met en exergue des standards internationaux. Vous verrez, dans cette entreprise, nous n'avons pas des bras cassés. Nous avons des gens qui sont bien formés, et c'est un endroit aussi pour pouvoir donc permettre aux Gabonais qui sont bien formés à l'extérieur et au niveau national de pouvoir donc démontrer leurs compétences. La jeunesse présente au New York Forum Africa attend patiemment que les résolutions de cette troisième édition se concrétisent afin de donner espoir et surtout de croire aux prochaines éditions.